Si vous avez parfois l'impression que vos morceaux orchestraux sonnent tout plat et manquent d'énergie, je vais vous montrer comment épaissir et renforcer vos morceaux grâce au layering, et avoir un son comme ce morceau. Voir comment utiliser cette technique à bon escient et comment bien choisir et superposer vos sons pour obtenir un son riche et puissant pour vos compos. Je vais vous montrer ça avec 4 techniques différentes et on verra le résultat final en fin de vidéo. C'est parti, je suis Othème, sur cette chaîne on parle de musique de film et aujourd'hui on va voir comment faire du layering. Ça y est, vous avez terminé la composition de votre morceau, tous vos instruments sont là, mais malgré tout, vous n'avez toujours pas le son que vous aviez en tête. C'est le cas, peut-être qu'un petit coup de layering pourra vous aider. Le layering, si vous ne voyez pas ce que c'est une technique qui va consister à superposer des sons relativement proches de vos instruments principaux, de façon à leur apporter une dimension supplémentaire. On retrouve ça notamment en musique électronique, par exemple pour donner de la profondeur à une ligne de synthé avec un second synthé, mais aussi en musique orchestrale. Pour vous montrer comment utiliser le layering, j'ai envie de vous montrer 4 techniques que vous pourrez reproduire chez vous. On commence avec la première technique qui vous permettra de gagner en épaisseur et en puissance sur vos instruments. Pour ça, écoutez ce début de morceau. C'est pas mal, mais le corps manque cruellement de puissance et de clarté. Ça, c'est tout simplement dû à la librairie que j'ai utilisée, BBC Symphony Orchestra. C'est une excellente banque de sons, mais malgré tout, la manière dont a été enregistré l'instrument ne me permet pas d'avoir le rendu que je souhaite. En revanche, dans d'autres librairies, comme par exemple Hollywood Orchestra, que je vous avais d'ailleurs présenté lors de la dernière vidéo, on peut retrouver un corps très puissant qui fonctionnerait parfaitement pour obtenir le son que j'ai en tête. La première chose qu'on pourrait se dire, c'est tout simplement de remplacer l'instrument en question par celui qui nous intéresse. Mais c'est une assez mauvaise idée pour une raison très simple. D'une manière générale, il vaut mieux enregistrer votre morceau avec la même banque de sons du début à la fin, tout simplement car ça permettra d'avoir une réelle cohérence sonore. Dans une librairie, vos instruments auraient été enregistrés dans un même espace, avec un placement des micros bien spécifique, permettant d'entendre tout votre orchestre avec un son uniforme. Tout ça, ça donnera l'impression que tout sonne ensemble. Mais si vous choisissez de faire jouer un autre instrument d'une autre librairie, vous n'aurez pas le même placement de micro et la même réverb naturelle de l'enregistrement. Donc vos instruments risquent d'être déséquilibrés par exemple en termes de panning et de distance. A l'inverse, une manière beaucoup plus subtile d'intégrer ce nouvel instrument peut être de le mélanger à celui déjà présent dans votre banque de sons. Ça permettra de limiter ces problèmes liés aux différences entre vos banques de sons, car vous aurez tout de même votre premier instrument enregistré dans les mêmes conditions que le reste de votre orchestre. Ensuite, puisque le but est aussi de gagner en puissance, le fait d'avoir ces deux sons superposés permettra d'avoir davantage d'épaisseur puisque vous entendrez le double d'instruments avec des propriétés différentes. Je vous fais écouter ce que ça donne. Maintenant que nos instruments sont bien dosés, il faut les faire matcher le mieux possible ensemble. D'abord, il va falloir que nos instruments soient le plus proches possible en termes de dynamique. Pour ça, on pourrait faire un copier-coller de nos paramètres de dynamique et d'expression. Encore une fois, c'est une mauvaise idée car nos instruments vont avoir des réactions différentes aux mêmes paramètres. Certaines banques de sons vont avoir une amplitude très courte en termes de dynamique. C'est le cas de mon patch de corps sur BBC Symphony Orchestra. En revanche, mon patch de corps sur Hollywood Orchestra va avoir une amplitude beaucoup plus grande. C'est pourquoi je vais devoir enregistrer mes paramètres de dynamique et d'expression indépendamment sur chaque patch de corps, tout en essayant de les faire matcher ensemble pour donner l'impression d'avoir un seul et même instrument. Ensuite, mes deux instruments sont aussi assez différents en termes de balance tonale. Mon premier corps va comporter beaucoup de médium et très peu d'aigus. A l'inverse, mon autre corps va comporter très peu de médium et sera très brillant. Il va donc falloir prendre ça en compte lorsqu'on va égaliser nos instruments. Un truc intéressant à faire va être de limiter cet écart entre nos deux instruments en les faisant se rapprocher en termes de balance tonale. On va donc pouvoir éliminer les médiums de mon premier corps et lui gonfler un peu les aigus. Pour le deuxième, je vais pouvoir atténuer un peu les aigus, un peu trop présents, et conserver les médiums. Thank you.
Avec ça, on a deux sons qui matchent plutôt bien ensemble et qui pourront se marier facilement avec le reste de notre morceau. Enfin, on va aussi essayer de faire se rapprocher nos instruments en termes de panning. Si le placement de la stéréo est trop éloigné, les différences entre les deux instruments risquent de s'entendre et on ne veut surtout pas ça. Grâce à cette technique de layering, on obtient un corps plus puissant et plus épais, tout en gardant un son cohérent avec notre orchestre. La deuxième technique que je vais vous montrer va permettre de gagner en clarté dans votre arrangement. Pour ça, je vous fais écouter un bout de la section cordes. Là, j'ai une section corde en spiccato complète, mais je trouve qu'elle manque d'attaque et de clarté au niveau du rythme. Un truc intéressant à faire dans ces cas-là, ça va être de doubler complètement notre partie jouée en spiccato par une deuxième section corde, cette fois jouée par des instruments en solo. Dans un orchestre symphonique, on retrouvera généralement une trentaine de violons, une douzaine d'altos, une dizaine de violoncelles et une huitaine de contrebasses. Naturellement, ces instruments ne vont pas jouer parfaitement en même temps. Même si on a des très bons musiciens, ils vont pas pile poil jouer en rythme. Tout ça, on l'entend dans notre librairie et ça va forcément réduire l'attaque des cordes et donc nuire à la clarté de l'ensemble. Une bonne façon de récupérer ça, ça va donc être d'intégrer une section corde avec des instruments en solo, qui eux pourront apporter toute la clarté nécessaire à notre morceau. Pour ça, je vais pouvoir utiliser les patchs de solo présents dans BBC Symphony Orchestra. C'est le choix le plus judicieux vu qu'ils ont été enregistrés dans le même environnement que ma première section corde. Avec nos instruments en solo, voici ce que ça donne. Là, je fais en sorte de bien ajuster mes cordes pour que les attaques tombent bien au même moment. Dans certains cas, surtout si ça vient d'une autre librairie, il faudra peut-être décaler les instruments de quelques centièmes de seconde pour qu'ils tombent pile en même temps. Ensuite, comme c'est l'attaque de mes instruments qui m'intéresse en particulier, je vais pouvoir leur appliquer un léger traitement des transients, c'est-à-dire les pics de volume, pour mettre en valeur les attaques de mes cordes. J'évite d'y aller trop fort quand même, au risque de dénaturer complètement les instruments et perdre totalement la sensation d'espace. Avec tout ça, on obtient une section corde avec un rythme beaucoup plus clair et très typique des morceaux épiques. Avant de continuer avec la troisième technique, si vous souhaitez en apprendre plus sur les MAO orchestrales et notamment la musique épique, j'ai créé une masterclass complète sur le sujet spécialement pour les débutants. Vous y apprendrez à donner vie à vos idées, à utiliser les différents outils comme votre logiciel et vos plugins, et à créer un morceau complet des premières notes jusqu'au mastering. La masterclass est en réduction jusqu'à la fin du mois, donc profitez-en. Merci à ceux qui s'y inscriront et on passe à la suite. La troisième technique de layering va concerner cette fois les percussions. Sur des morceaux comme ça, on a généralement envie d'avoir des percussions assez massives et surtout réalistes. Une bonne façon d'y arriver va être de superposer une grande quantité de percussions pour faire gonfler l'ensemble. D'abord dans les basses fréquences avec des grosses caisses, des surdos et des toms. Dans les médiums avec des rototoms et de la caisse claire. Pourquoi pas dans les aigus avec de la derbouka et du frame drum. Le truc, c'est que le fait d'ajouter toutes ces percussions va demander pas mal de ressources à votre processeur si vous avez la main lourde sur le nombre d'instruments. Un truc assez contre-intuitif qu'on peut faire pour pallier à ça, c'est de jouer sur le round robin des percussions. Vous allez voir, c'est assez ouf. Le round robin, c'est tout simplement une valeur qui correspond au nombre de samples alternés pour une même note. Autrement dit, plus il y a de round robin, plus l'instrument sonnera naturel. Sur la plupart des bonnes banques de percussions, on va avoir un round robin entre 5 et 10. Vous pouvez imaginer qu'avec un round robin de 10, vous avez pour une seule note 10 samples alternés en forte, 10 samples en mezzo forte, 10 samples en mezzo piano, etc. en fonction de la vélocité. Ça permet donc de sonner très naturel, mais en revanche, ça va demander pas mal de ressources à votre PC. Maintenant, quand on a une grande quantité de percussions, il ne va pas être nécessaire d'avoir autant de détails sur chaque instrument. Le hack là-dessus va être de garder un round robin élevé sur une petite partie des percussions, et ça suffira amplement pour avoir les variations qui permettront d'avoir un son naturel. Et pour les autres, on peut laisser un round robin de simplement 1, c'est-à-dire un sample par note. Là, il faut essayer d'être stratégique.
Je vais essayer de retirer du round robin aux percussions qui vont le moins ressortir par rapport au reste. Typiquement, les variations avec des grosses caisses vont très peu s'entendre puisqu'on reste dans le registre des basses fréquences. Je peux donc descendre le round robin là-dessus. Pareil pour le sourdeau. En revanche, les tomes, eux, vont peut-être davantage ressortir, donc je vais laisser le round robin au maximum. Ensuite, les rototomes et la snare vont être surpassés par les derbuka et les frame drums, donc je vais pouvoir baisser le round robin là-dessus. Avec ça, on a 4 instruments sur 7 qui demanderont très peu de ressources au CPU, tout en conservant un son très correct. Avec cette technique-là, on peut continuer de charger en percussion, mais on a un son beaucoup plus massif. Il y a une banque de son qui le fait très bien, c'est la banque de son LA Modern Percussion. En contact, on peut stacker plusieurs patchs sur une seule instance. Dans LA Percussion, on a le choix entre les Dynamic Hits, sans round robin, ou les Traditional Hits, cette fois avec du round robin. Oh putain, l'accent, je vous jure. Là, on a 6 patchs Dynamic Hits et seulement 2 en Traditional, et ça suffit pour avoir un son naturel qui fonctionnera avec notre morceau. Avec tout ça, on a un ensemble de 15 percussions qui ont été ajoutées, tout en préservant le CPU. La quatrième et dernière technique de layering va consister à doubler certains de nos instruments avec du synthé. Par exemple, je trouve que les trombones sont un peu faiblards. Pour leur donner un peu de consistance, je peux les superposer avec un son de synthé qui va suivre tout ça à l'unisson. Là, je fais attention à ce que l'enveloppe du synthé suive bien la dynamique du trombone pour que les deux instruments matchent bien. On peut aussi en profiter pour couper un peu les hauts aigus pour que le synthé ne prenne pas la place de notre instrument. Ensuite, on équilibre bien notre synthé avec le trombone. On peut en faire autant à la basse avec deux autres synthés. Un premier synthé qui va doubler la ligne de violoncelle. Et un autre qui va doubler la contrebasse sur les temps forts. Là encore, il faut s'assurer que les notes tombent bien en même temps pour ne pas casser le rythme et ne pas hésiter à les recaler de quelques centièmes si besoin. Pour finir, on peut aussi doubler notre corps avec un lead au synthé. Là, je vais vous montrer une astuce de layering que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et vous allez voir, c'est un peu spécial. D'abord, je vais choisir un son de synthé assez brut sans trop d'effet. Là, il n'y a pas besoin de travailler l'enveloppe avec une grande précision, puisque je vais faire passer mon corps en sidechain dans ce synthé avec un plugin de Morph. Le résultat, c'est que le signal de mon corps va être mélangé au signal de mon synthé. Je vous fais écouter. Pour le moment, le son est trop piquant dans les aigus, donc on va lui appliquer un EQ pour éliminer tout ça. On peut ensuite lui appliquer une petite réverb pour que tout ça s'intègre bien au morceau et on dose notre synthé avec le corps. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à en savoir plus sur le layering. Comme toujours, pensez à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo et à vous abonner pour ne rien rater.
N'oubliez pas que la masterclass Musique Épique est toujours en réduction jusqu'à la fin du mois, tout est en description. Moi je vous dis à la prochaine, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Othem, prenez soin de vous et à très vite.